Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, donc là, vous faites hop, vous vous abonnez, tac, voilà. Donc vous faites pareil pour Snap, Insta et tout le reste. Donc voilà. Donc on se dit, je vous souhaite bonne vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Zombie apocalypse. Eh bien salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online partie 2 pour les customisations des nouveaux véhicules du DLC Hôtel et Casino. Enfin Casino et Hôtel. Donc on va se faire les trois autres véhicules comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Donc là on va se faire la OB8 F Drafter, donc qui est une sportive. Qui m'a l'air d'être bien énervée quand même, hein. Une sportive aussi. Donc on va tester ça. Ah ouais quand même. J'oublie pas de tourner quand même. On va pas tourner celle-là. On va tourner celle-là. Wow! J'ai failli m'envoler. Elle a l'air déjà suffisamment basse déjà. J'imagine si je la rabaisse. Parce que voyons, elle a volé vite là. Allez, on va passer par là. Soyons fous. Les gens ils vont rien comprendre. Non, mais d'où il arrive lui? Allez hop. On est original, on arrive par les toits nous. On n'arrive pas par la route nous. Par choc. Ouais. Moteur, échappement. J'ai envie de mettre cela là. Bien gros et bien. Bien brillant là. Je vais mettre celui-là. Capot. Oh, elle a pas mal celle-là. Elle en a pas mal, elle en a pas mal. Je pense qu'on va partir sur celui-là. Éclairage comme d'habitude, phare xénon, motif. Ah, ce motif, franchement, il est pas mal. Il est stylé. Je crois que j'ai déjà trouvé mon motif. Bon, on va regarder les autres. Ouais, c'est aussi pas mal. Bon, allez, bah, c'est bon, j'ai trouvé. Hein, de toute façon, ouais, vous avez vu. Hein. Quand vous m'avez entendu, je pense que vous avez dû dire ah, ouais, c'est sûr, il va prendre celui-là. C'est obligé, est terrible. La couleur après, je vois, on peut voir. Non, noir c'est bien. On change pas la couleur. Du toit. Là, t'as la voiture limite de taxi 4 quoi. Générateur, du tourbillon. Bon, ouais, je sais pas trop ce que c'est, je le mets, on sait jamais. Pas de casse-port. Les ailerons. Pas un trop gros parce que c'est pas non plus une très grosse voiture non plus. Oh, elle a déjà l'air d'être énervée déjà. Je pense que je vais partir pour soit celui-là. Enfin celui-là. Oui. Je vais partir pour celui-là. Les roues, ah, sont trop terribles, je les laisse. Après c'est mon choix, hein. Vous pourrez les changer si vous voulez, mais moi non. Ah non, la fumée, je la laisse blanche. Déflecteur, c'est quoi ça? Ah oui. Je sais pas si je les mets en carbone. Ouais, les carbones. Fenêtre en noir. Et on est reparti.
Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait aussi qu'on teste la vitesse. Wallah. La vitesse qu'elle a! La vitesse qu'elle a! Elles sont des bruits, mais elles sont. Elles sont des bruits de moteur, les nouvelles là, franchement, mais. Vénère quoi. Dites-moi dans les commentaires bon, si vous trouvez que les bruits des nouvelles voitures sont pas un peu vénères, limite agressifs quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils sont limite vla agressifs quoi. C'est ça qui est bon. Moi faut que le moteur il me parle de toute façon quand je roule. J'ai l'impression limite de voir la voiture de taxi. Alors que non, ça se trouve. Hein. On va faire un petit coucou aux gens devant. Pas mal franchement cette voiture. Elles ont toutes pour le moment une bonne tenue de route hein, je trouve. Hein. Bon à part la voiture là qui est comment je sais plus comment ça s'appelle la Anis là. Enfin la même que la RE là à peu près là, j'aime pas trop son style donc je sais pas si je la garderai perso. J'aime pas trop les voitures trop carrées, moi j'aime bien ces voitures bien arrondies là comme là comme les autres toi, elles sont bien, elles sont stylées, toi comme celle-là elle est bien, celle-là elle est bien. Celle-là, je sais pas. J'attire pas trop l'attention dessus. Bon allez, on va emmener la troisième quand même Easy hein, qui sort sur GTA quand même. Hein. On avait la première Easy avec la nouvelle avec l'activité là. Balise je sais plus quoi. La deuxième pour l'Arena War. Et celle-là maintenant. Franchement, ça commence à en faire des Easy. Hein. Plus moi j'ai les trois donc, du coup maintenant. Avec celle-là, ça m'en fait trop, moi. Puis moi, cette voiture-là, je sais que je l'achetais. J'étais sûr obligé de l'acheter parce que c'est que cette voiture-là que mon crew a été fondé quand même. Avec l'activité, justement, parce qu'on s'est fait une super belle photo. Elle est pas mal, franchement. Avec mon pote qui est coincé par trois, moi et deux autres potes et qui nous fait un fake par la fenêtre. C'est magnifique. Ça, ça lâche pas, elle part moins trop quand on dérape, c'est bien. Elle tient mieux celle-là. Tu as l'air d'être un peu plus futuriste quand même aussi. Partage, pare-choc. Oh, mais c'est quoi? C'est un DLC casino ou c'est un DLC. Comment dire? Un DLC tuning. Ah, il est là le pot. Oh, pas mal le pot là. Je pencherai plus celui-là moi. Les 6 sorties de pot là. Elle. Bon, on va laisser comme ça. Calando. Ah ouais, comme ça là, pas mal. Comme ça, on voit plus la petite barre. Là. Capot. On va les mettre celui-là. Éclairage. Bon, pour le moment, je peux pas trop de. Comme je vous ai dit, hein, je peux pas trop de. De couleurs sur mes véhicules, mais vont changer, vous inquiétez pas. Hein. Hop, punaise, il est pas mal celui-là. J'espère qu'on en aura d'autres. Hein. Je
crois que je vais partir sur celui-là, elle est pas mal là. Vas-y. Toi. Toi en carbone, non, je laisse le. Fou, oui. Je laisse le. Comment dire? Non, je lui laisse en aileron, il est propre. On va mettre celui-là. Suspension ABC, transmission, turbo. Bon, voilà. Ah, c'est les roues quand même, les mettre l'épreuve des balles. Fenêtre. Pas mal, franchement. Ouais, mais. Elles sont les pré-énervées, même la L. Même celle-là. Déjà en sportif, celle-là, faut l'avoir quand même. Hein. Je pense qu'elle risque peut-être de faire fureur. Je pense qu'il y a des chances qu'elle fasse fureur. Ça fait au moins, je sais pas combien, 4, 5, 6 fois que je le fais. C'est quoi, y a pas grand monde, hein, à l'entrée. Un bruit, mais énervé, quoi. Franchement, elle a une bonne tenue de route, ce véhicule, une bonne tenue de route, bonne accélération. Mais franchement, moi déjà, je pense que de mon côté, je vais les retester bien en détail pour voir si j'apprécie vraiment, vraiment. Parce que là, j'apprécie, mais je suis pas encore satisfait à 100% de mes tests. Mais vous inquiétez pas, on va se tester ça tranquillement. Là, sur les routes, ça suffit largement comme ça, parce que c'est pas des véhicules tout-terrain et tout, voilà, donc. Ni des véhicules surcheatés comme des oppresseurs MK2, des conneries comme ça, quoi. Alors en plus avec la roulette, comme vous voyez que vous pouvez tourner une fois par jour, vous pouvez gagner des véhicules exclusifs, il me semble. Alors je sais pas si c'est les véhicules qu'on a déjà dans le jeu, ou les nouveaux là qui sont sortis, ou d'autres qui vont arriver prochainement, qu'on aura gratuitement du coup, quand ils sortiront. Donc je sais pas, on verra bien. Et là le dernier, qui est le Caracara. Donc on l'a déjà. Une version de lui déjà qui est sortie déjà avec le DLC qui était du complexe. Donc qui était pas mal franchement. Donc. Bon ça va avoir. Ça c'est un tout-terrain de toute façon. Ah, comparé à la différence de l'autre, c'est que celui-là il a que 4 roues. Que l'autre il en a 6. Franchement pas mal, franchement. Pas mal, bon après c'est un tout-terrain, hein. C'est pas non plus une super sportive ou une sportive comme tout à l'heure. Hein. Allez, ouvre le garage. Oh bah, même pas la cinématique pour lui tellement qu'il est gros le machin. Par choc. Oh le truc genre le gros Range Rover là. Ah, attends. Non comme ça. Mieux. 4, échappement. Il est où échappement? Ah, il est là. Ah oui, je vois. Excusez-moi, ouais. Je fais une grosse sortie de peau, moi. Deux grosses sorties de peau, moi. Bon, non, on va laisser comme ça. Celui-là est pas mal. Capot.
Celui-là, ouais, pas mal. Non, celui-là. Non, bon, allez, celui-là est pas mal. Éclairage phare, pas de néon parce que c'est pas un tout-terrain, c'est pas une voiture de luxe, hein. Ah, en version patriote, c'est pas mal, franchement. Ça y va bien. Comme ça, l'atomique. Vas-y, j'ai mis celui-là, voilà. C'est encore mieux. Mince, pas fini. La plaque. La peinture a dit que c'était bon, du coup. Ouais. Porte-bagages. Ah ouais. On peut le fermer bien, ça. Galerie de toit. Oh, imagine, on pourrait se mettre là-dessus, là, et ça serait pas mal. Je pense que je vais partir sur ça, moi. Je pense que je vais partir. Truc bien abusé, quoi. Que ce soit cher, je m'en tape complètement. J'avais tout prévu, hein. Allez, on va tester ça vite fait. Bon, c'est vrai que j'aurais bien. Faudrait peut-être aller le tester dans les tout-terrains, ce serait peut-être mieux, mais bon. De toute façon, ça se voit déjà même là, s'il tient bien la route. Hein. Tout-terrain, ça fait ça, de toute façon, ça tient la route comme comme la terre, sur la terre. Bon, il y a un bout de tout-terrain, classique, quoi. Ça va, c'est pas mal, franchement. Pour un tout-terrain, c'est pas mal, mais je pense que ça va être comme la l'autre véhicule que je disais. Je pense que je disais dans la précédente vidéo qu'il y a des chances que je vende. Mais au moins on l'aura testé ensemble, c'est déjà ça le truc. Moi, je l'aurais testé. Mais je pense le retester peut-être après, hors vidéo aussi, avant de le revendre. Heureusement que j'étais en passif, parce que bouillon. Heureusement que j'étais en passif parce que je pense qu'il aurait pris cher là. Je pense que même lui a dû peut-être il a dû être surpris. Donc voilà, franchement, on aura vu tous les véhicules qui sont sortis actuellement, donc 6 véhicules quand même qui sont pas mal. Franchement, entre par rapport aux deux vidéos, parce que là ça sera c'est tourné en deux vidéos. Hein. Donc franchement, si on compte tous les véhicules, je mettrai une note de 8 sur 10. Franchement, parce qu'il y a des beaux véhicules, faut pas dire, hein, faut le dire quoi. Il y a la Trax qui est pas mal, celle-là aussi qui est énervée, la NX Paragon R, la petite Easy qui est pas mal, franchement, la Easy Sport là, la Obey 8F Drafter et la Nice S80RR. Bon voilà. Bon, pour sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour me suivre dans les prochaines vidéos, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.